Mais encore plus, aujourd'hui, nous lui rendons grâce pour ces deux événements qui nous donnent la possibilité de célébrer dans notre Église. Le premier, c'est le jubilé d'argent de notre paroisse. Et pour ces 25 ans, je vous souhaite bonne fête. Et le second, c'est la célébration du 12e anniversaire d'ordination épiscopale de notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Désidore. Nous vous souhaitons bonne fête, Monseigneur. En effet, l'Église a pour mission d'évangéliser, de faire au Seigneur des disciples par le biais de ses pasteurs. C'est pourquoi Jésus a dit, allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Oui, frère Axemio, c'est même mission ça, paroisse encore à continuer à faire dans la communauté à depuis 25 ans. Côté la paix de nous vivre la foi dans le monde et découvrir qui j'en lui-même, l'irait même. C'est même Jean tout, mission archevêque là, c'est accompagner le Père Dieu dans la foi. Dans ce sens-là, dans la liturgie la messe Jodia, ces gens a aidé nous découvrir qui Jean Jésus était nourri foule qui t'a suivi l'IA pendant qu'il t'a fait travail papa de confier là. Et tout le monde t'a mangé Messie. Ça rappelait nous qui Jean est grand, lui remet nous, et qui Jean lui gagne aussi pour nous tous à bouche. Tout au long de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu par l'intercession de Saint-Montfort de nous aider à continuer sa mission en restant généreux envers nos sœurs et frères. Prions pour notre paroisse qui célèbre ses 25 ans d'existence ainsi que pour notre archevêque qui célèbre ses 12 ans d'ordination épiscopale. Sur ce, sœurs et frères, je vous invite à vous lever pour chanter les merveilles de Dieu avec la chorale. Tu es l'air, 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 tu es l'air
le Créateur, le Maître de la moisson, le Maître de l'histoire. Chaque la messe, c'est comme un jubilé pour Dieu. Chaque la messe, c'est action de grâce pour mon Dieu. Mais je vous dis à une grande note particulière. C'est les 25 ans de fondation de la paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Nous venons de Dieu merci pour paroisse là. Nous venons de merci pour toute grâce nous joindre dans paroisse. Nous venons de merci pour bel travail, évangélisation et développement humain qu'a fait ici. En offrant que nous, pour nous offrir mon Dieu Eucharistia. En offrant que nous, pour nous célébrer ce dimanche, le 17e du temps ordinaire de la nuit, qui montre que mon Dieu est un Dieu provident, un Dieu de toute miséricorde. En reconnaître nos pécheurs, en donnant mon Dieu pardon à quelqu'un. Je confesse à Dieu tout puissant. Je reconnais devant vous, Père et Sœur, que j'ai péché en pensée, en parole, en action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, Père et Sœur. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde. Qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, dans chacune des églises, en pèlerinage sur la terre, sur l'invisible église, une, sainte, catholique et apostolique. En ta bonté, accorde à ton peuple d'être uni à son pasteur et d'être rassemblé dans l'Esprit Saint par l'Évangile et l'Eucharistie, de sorte qu'il représente vraiment ton Église universelle et soit dans le monde signe et instrument de la présence du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons découvrir comment Élisée, grâce à la foi de l'homme Dieu, tu vas peut-être la manger. Et puis, tu as un reste qui était d'après la parole de peut-être là. Nous jouons le tout ça dans le deuxième livre, voyons, chapitre 4, sorti dans verset 42, rivé dans verset 44. En réponse à cette lecture, nous méditons avec le psaume 144, ayant pour refrain, tu ouvres la mer, nous voici rassasiés. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous invite à garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix, tout en nous supportant les uns les autres avec amour. Écoutons cette lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 6, écoutons avec attention. Nous saluons, et on essaie que nous autres barres satisfaits, du côté cadeau, baillou, côté à l'église, même qui fait, accueillir Bréo, une péloge, accueillir le nouveau, dans sa vie. Lui-même nous dit, baille faire place pour manger, les misères là, comme ça y est, vous êtes sans nous. Il dit dans notre foi encore, va être là pour manger. C'est que, et ça comme elle l'a dit, il y a que manger à bien reste. Pour ça, c'est bien de manger et bien reste dans les paroles de mon état. Paroles de mon état. Thank you.
Jésus même pour un paillot, il a prié et dit merci,
Il sépare le paysage de Chita. Il fait même surtout à poisson, tant qu'il est fait. L'évangile fin plein, les dix partisans, ramassez nos seaux qui dérivent pour en rien pas gaspiller. Ils ramassent, ils ont pris 12 paniers à nos seaux qui dérivent dans 5 pains, ils ont démangé. Les gens qui ont un miracle qui se fait là, ils ont dit, n'est-ce pas, c'est pour faire qui te doit venir sur terre réellement vrai. Jésus même connaît, il y a une preuve pour le nom et le roi, lui sauver encore dans le monde, c'est pourquoi. En nous fait louange à compliment pour parole grand maître.
m'a remercié Père Monfortéo qui a accepté responsabilité fond de paroisse là et m'a renouvelé nous confiance. Nous remercions spécial pour Père Gérard Nicolas qui a passé plus d'une vingtaine d'années ici là. Moi, j'ai témoin et fort des faits depuis un commencement pour construire la communauté paroissiale ça. Parce que moi, j'ai connu ici là, je l'ai fait commencer. Père Nicolas, merci. C'est pour reposer en paix après tout travail au détail ici. Merci, Père Roland, curé paroisse, pour aimer ou bien pour l'Église, pour dévouement. Moi, je connais ou bien au cœur qui fait pour direction paroisse. Parce qu'on peut apprendre ça bien de mon petit. C'est pour votre Dieu qui est bien ouvert dans ce service de confiance. Moi, je dis merci tout pour les petites sœurs de l'Évangile, pour les sœurs Saint-Paul de Chartres, pour mes congrégations Saint-Sylvie qui est dans l'initiative Fondation Paroisse. Moi, je pense à eux tous qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu le travail à développement paroisse. Plusieurs de nous qui sont dans le pays Angleterre, Irlande, Italie, qui partent déjà. C'est pour mon Dieu accueillir nous dans le royaume. Merci. Fidèle paroisse, monde qui travaille depuis 25 ans, Guénano y a allé déjà. C'est pour vous dire la lumière à peur poussée. Ça vivant, c'est pour bénir nous, pour protéger nous, pour que nous plus ferme dans le service de l'Église. Tout à Dieu. Tout jeune qui est engagé dans la vie paroisse là, tout chorale, tout si monde qui est content de chanter pour mon Dieu, de mimer pour lui, participer dans le groupe, dans le catéchisme, c'est pour la grâce de mon Dieu accompagner nous, pour nous grandir en sagesse et intelligence. Tous fidèles paroisse Saint-Montfort, bonne fête pour nous tous. Pendant 5 dimanches, frère Arsenio, l'étudiant après être médité, chapitre 6 de l'évangile de Saint-Jean, qui commençait par le récit de la multiplication des pains et qui a poursuivi avec le discours de Jésus sur le pain de vie. Premier lecture, qui sont dans le sujet Marie à l'évangile là, marcher avec tel nom. Et ça fait, dans le deuxième livre des rois, Matthieu a parlé de miracle, multiplication des pains qui fait, qui est accompli par le prophète Élisée. Élisée multiplie pain au peuple là, mais qui est au grand pile de son nom. Son bagage exceptionnel dans ce testament. Mais ces paroles de Dieu là qui en réalité opèrent des miracles. De nous la prière, mon Dieu, par l'intercession au Saint. Leur demander, mon mari, présenter aux demandes à mon Dieu, ou bien c'est mon fort, ou bien c'est Anne, ou bien c'est Antoine. Laisse à réussir. Nous disons d'abord merci à Dieu parce que c'est mon Dieu qui fait miracle. Ce n'est pas le Saint. C'est mon Dieu, par l'intercession, par la prière. Miracle, grâce et bénédiction,
C'est mon Dieu qui m'a dit, parce que c'est lui qui souffre pour bénédiction. Mais souvent, nous avons des bénédictions hein, par l'intercession du monde, par l'entreprise sait, demander la prière pour nous. Et vous parlez dans le plus conscient, qui veut une grâce de mon Dieu, par l'intercession, c'est mon fort. Nous disons Dieu merci, et là, continuer la prière. Pendant que 25 ans par cela, pour la guider pour guider nous, comme dans toute messe, c'est la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, nous parlons de Dieu, il y a une qui ont dit Jean, prend un sommeil. Pour les parler de Dieu, c'est important, oui. Maintenant, il y a une qui ne puisse pas prier, et une qui ne puisse pas faire vénération, pas respect. C'est qui est-ce là? Dans la Dieu, qui est-ce qu'on pousse? Ma génération. Madame. C'est tout l'église, pour le l'évangile. Et pour ça, nous pouvons avoir l'évangile là, pour avoir un sens et l'évangile là, et faire avant devant l'hôtel là, la prière, etc. Et puis dans l'éthiologie, pas l'évangile là, nous campions pour nous donner parce que c'est un Christ qui s'adresse à son peuple. Et pour nous faire l'éthiologie, pour nous faire l'évangile là, nous vous présentons le Christ qui enseigne, qui proclame la parole de Dieu pour son peuple. Et ça fait de quoi la messe fort ou tant de l'évangile. Fort qu'on ça dit, parce que le plus gros message de cela, c'est dans l'évangile là, la sortie. Et quand il y a un autre message, l'évangile là pour nous, je veux dire. Son texte nous connaît bien brûlé, multiplication des pains. Jésus qui baille en pile pour manger, et qui est en quantité. En fois, on est là pour nous garder quelques paroles qui sont très symboliques et la découvrir sa légitimité. Nous avons dit que ça nous prend sur deux ans. On entre un peu humain, matériel. On entre transcendant, spirituel. Deux thèmes saluent, pas totalement propres. À Saint-Média, mais mettez au corps complémentaire sur la façon pour nous capables de comprendre. D'abord, on garde un humain, un matériel. Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. En relevant les yeux, il vit une grande foule qui venait à lui. Peuple a besoin d'entendre Jésus. Malgré Jésus, il faut retirer pour lui, nous pouvons y aller. Cette foule est l'image du troupeau dispersé qui se rassemble autour de son pasteur. Tout dimanche, dès nos réussites dans la messe, Père Roland a présidé ou bien mon père, nous rassembler. C'est l'image du troupeau qui se rassemble autour du pasteur. Père a représenté Jésus, pasteur du troupeau, qui peut venir à représenter pour moi. Et ça qui fait aux fidèles de l'église, ça veut dire un peu aux fidèles catholiques ne sont pas malades, ou pas chita pour occuper aux malades, ou pas de gros gros problèmes, vos dimanches ne sont pas capables de l'église. Parce que si nous savons Dieu après nous venir rassembler avec son peuple, il va le prendre. Pour que c'est quand même pas chita pour un réel dimanche là qu'à l'évangile de l'église. C'est comme si tu as passé vite. C'est comme si tu boules de l'invitation du maître. C'est comme si mon Dieu t'a dit, mais je t'attends, vous me préparez pour la table pour te cogner. Donc ça vous permet de parler pour mieux et vous faire notre expérience. Ça a donné une tâche pour vous, ça a donné ceci, c'est ça. L'on va venir l'église, vous dites, bon, je vais chasser ma foi, pour la vente, je suis parti à ma bonne prière. Mais ça, c'est comme si mon Dieu, puis pour converser la passion. Oubliez ces mon Dieu pour converser. Le dimanche, le peuple se rassemble autour de son pasteur pour la prière aussi. Et vous marquez Jésus comme bon pasteur, il prend l'initiative de vouloir nourrir la foule. Il dit, mais où achète-t-on du pain pour nourrir tout ce monde? Vous êtes un peu de pain pour battre le conseil au manger. Jésus sont les guides très sensibles. Vous êtes sa personne, fidèle à l'église, pasteur, prêtre, évêque, moi-même, tout le monde dit que Jésus fait le mal, que le foule, ça a été là, qui gagne, il dit ça n'a pas fait pour nous. Et l'église a demandé pour nous être sensibles, pour nous être compassion, pour notre problème de la fin, doit préoccuper l'église, doit préoccuper les fidèles pour casser. En
donner 5 pains à 2 petits poissons. Mais ça, ça représente pour toutes vos âmes. Et on dit, même si on a fait 200 groupes, il n'y a pas 200 groupes, il y a 200 groupes, il y a. Si mon ami est le gars, je vais vous montrer. L'entendez de 200 groupes, j'entends Jésus là pour 200 groupes de pain après les groupes de l'église. Il dit, même si on a fait pour tout ça, il va capoter. Je vais dire que mon Seigneur qui a 5 pains à 2 poissons. Remarquez. Et ce n'est pas une grande leçon dans le texte. À partir de 5 pains à 2 poissons, Jésus va rappeler papa, miracle à la fête, et tout le monde va loger après l'esprit. Ça, ça veut dire. À partir de ça, nous gagnons pour Dieu. Faire plus de merveilles. Et ça nous gagne, c'est déjà un cadeau de Dieu. Seulement mon Dieu veut pour collaborer. Si tu gâches ça veut dire 5 pères, nous pas bâle. 2 poissons dans ma bâle. Elle nous dit, chiche, il y a un cher bonheur qui va être consommé pour manger par là. C'est pas ça? Elle m'a pris une autre salle. J'ai pris pour la scène, mais ça va qu'à faire bien pour elle. Il va me dire, nous l'a donné. Donc, il accepte de l'aide. Pour le mon Dieu, pour collaborer, il est ça, mon Dieu, après, en pile, merveille pour vous. Ça me garde à vos prodigueurs, mon Dieu, si vous voulez. L'homme est approché dans la quête là, mais on passe la palier à la quête là, devant vous, on met 25 mois. On 52, on 100 mois. Et on regarde mon cher, on va mettre le nombre de jours comme ça. L'homme est il. Ça veut dire sens, c'est dans sa volonté bon et bon, ou pas. Parce que par contre, on fait quoi? C'est mon Dieu bon. Deux, on dit mon Dieu, on va aider pour collaborer, pour travailler les évangélisations, pour le continuer à faire. Et toi, dans le cœur, on connaît que mon Dieu a bon 4, 5, 6 fois plus. Si mon Dieu, tu vois, nous allons nous là. Les tout là, il va nous comprendre la tête. Pas manger l'autre. Pas acheter mon bon à elle. Il n'y a pas cassé de l'époque, il va me servir de l'autre, il va me faire une. Quoi avec ça? L'homme est mon Dieu, je veux plus que mon Dieu, plus une contribution pour la race. Ça, ce matin, il y a un texte là, il dit nous. Bon Dieu, quelqu'un qui chire devant la fin des hommes. Dieu ne veut pas la fin. Dieu ne veut pas la misère. Pour nous écouter ça, c'est pas bon Dieu que nous nous debout. La fin de la misère, c'est la conséquence du péché, la conséquence de l'égoïsme des humains, de leur insouciance. Si il y a un monde qui grand ou pas dans l'écologie, c'est parce qu'il y a un monde qui est propre ou pas propre. Continuez ça avec nous. Si nous avons 4 points là, mais 4 points. Est-ce que vous avez dit 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 que vous. Parce que si on est monté et droit, et quand la journée a gagné, ça va être un grand goût, il y a une insouciance, il y a un problème, il y a un terrorisme, on va le problème de la tête et de parce que partage nos sociaux mal fait. En nous grandit avec esprit de partage, esprit de fraternité, esprit qui bat chaque mot sa bête pour nous. Parlez-nous, grand-nous, éduquez-moi le bon sens. Éduquez-moi le petit. Pour prendre ça pour l'IA, ça pour l'autre pour l'IA. Les cas de bon, ça n'a pas pour moi. Pour qu'à la caille, c'est deux patates, pour qu'à manger quatre patates, pour qu'à manger quatre, c'est deux mouettes, c'est deux autres. De l'autre pour l'autre. Si c'est ça, vous voulez plus prendre, ce qui est fait pour ça, on va pouvoir l'éduquer. Ou avec des continents qui devaient la demander, pas le bon qui va mettre. Il va le prier, il va le penser avec vous, mal, il va vous manger, ça va vous peur. Mon Dieu, pas d'accord, grand goût. Et ça fait l'église là. Créer une institution, l'église pour la nourrir. Par exemple, créer une institution, pour le dire aussi, pour le monde, 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 pour le
aider pour cela avec les souffrances pour nous. Nous ne pouvons pas faire les souffrances pour nous, mais nous avons une chose de café. Toute institution qui a travaillé pour aider les gens, tout mère, tout père, tout frère qui travaille dans le quartier difficile, qui fait quand il y a des gens qui parlent des gens pour aller à l'école, il a fait le travail de pour soulager la misère, la souffrance de l'humanité. Et tout baptisé, il y a un peu de l'autre. Ça, c'était entre matériel là, pour nous manger, mon Dieu parle dans le monde, et mon Dieu va nous manger avec le minimum que nous-mêmes nous sommes capables de produire. Il ne faut pas chiche, il ne faut pas passer tout ça de rien, parce que mon Dieu a parlé de ça de rien la faire. Deuxièmement, la spirituelle. Il faut aller plus loin. L'homme a une texte de multiplication des pains, il faut reconnaître que la multiplication des pains, il a annoncé le calcite. Sans le temps de Josia qui a annoncé le sacrement de la Pâque, qui a annoncé le jeu du Saint. Attendez bien. Dans le temps de Josia, Jésus prend le pain, lit, dit bon Dieu, merci de la prière, après ça, il distribue par les gens. Jeu du Saint, le nom n'est pas la Sainte. Qui s'est dit non? Je crois qu'il est oui. Il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le lança à l'issue. Il prend payant, il vous remercie, il casse le baptisant et il dit mangez la dent de vous. C'est même geste là dans la multiplication des pères. Il prend payant, il dit bon Dieu merci et lui distribue. Ça veut dire Jésus, le vrai berger, le vrai troupeau, apporte le pain de sa parole. Et le pain multiplié sur la montagne. Il inaugure le repas de l'alliance nouvelle scellé dans son sang. Multiplication des pains référée à l'Eucharistie. Il est nous, pain matériel là, c'est le bon travail pour lui. Et c'est pas ça son engrais, il y a le pain spirituel. Pas pain bien pile parce que pendant 5 dimanches encore, c'est même texte à l'égard pour suivre. Nous parlons le dimanche prochain et le dimanche après. Il y a des gens qui commencent à marcher derrière Jésus. Et après ça, il va venir. D'ailleurs, quand on veut que Jésus va le pain, vous mangez pain et puis pérennité à gogo. Nouvelle sortie, qui s'accueille? Pour ta raison, quand on a des amis matières, la donnée des amis, ça est pain à gogo. Ça va vous dire. Avant 5 minutes, ici à la foule, vous venez de le pain. Je ne pas être pour le de je vous parle aussi aux élus payants. En plus, je ne pas dire oui, comme ça. Je dis, non, je ne peux pas pour payer, mais pour faire une belle chute, pour pas tout. Je t'en dis, ça me passe à rien. Mais c'est ça qui est. En plus, je ne parle pas de Jésus, je parle de Jésus, je dit, ah, merde, on est chargé, on est chargé, et puis il y a. Travailler pour payer, travailler la vie tout le temps, paix ça à la secteur. Et on dit, bah, ça va être mieux, c'est bon, il y a. Et jusqu'à ce chapitre 6, Jean va finir. Puis, pour vous, qui devine des gestions, regardez. Parce que vous avez cherché bien la vie. Le Jésus vient et regarde pour foule la personnalité, presque vide. Qui est-ce qu'on est elle, tel que ici. Et puis, à côté, on lui regarde la porte, on dit voulez-vous partir, vous aussi. Est-ce que vous êtes là? C'est ça qui est dire à qui il y a le Seigneur. Tu as les paroles de la vie éternelle. Qui vous le pouvez dans la joie? C'est aucune parole là tout le temps. Dans l'église là, c'est que l'on parle l'église à foule. Pourquoi on fait possession de 47 ans de monde libre, mais c'est pour toute l'église à ça. C'est là qui est chargé. L'église a une activité pour le faire. L'église a bien fait catéchisme, il vient faire des voyages, il vient faire des sénateurs, etc. Pour un premier monde. Ça. C'est pas l'être de l'église que nous sommes pour nous faire ça, non, non. L'église est en possession de nous, elle est en possession de l'attaque, grâce à Marie-Louis, c'est l'église là. C'est pas ça seulement. Il s'est dit chapelle là, où on a prié. Il s'est dit pour le monde, il s'est dit pour il s'est compté à cause d'activer, à cause d'insécurité, par les 15 mois de l'église là. Il s'est compté l'église pour faire en bas la ville, c'est l'église de Jésus qui a dit. Soit quand c'est un bon moment, l'air qui est foule là pour la dame, autant que le monde s'appelle Jésus, mais Jésus parce que je fais matériel là, je vais besoin spirituel. En demande de mon Dieu, pour nous jouer les monde à tout moment dans l'église, pour nous songer que le calme, il y a la messe là, c'est plus grande nourriture, c'est
c'est une prière pour chrétiens vivants. Ma plus gentille point là, c'est important pour l'église là, par exemple. L'évangile ça, il y a interpellé mon calant le verbe, mon qui prend le jeûne, mon qui prend le culture, mon chaque jeudi, ça va nous dire mon église, je vais dans la prière, ça nous fait bien. Mais vous dimanche, je vais nous dire l'église. On va faire adoration, on va faire le verbe, on va faire jeûne. Vendredi, samedi, jeudi, l'église a fait tout la complexe de la monter pour marcher. Dès le matin, dimanche, pas que nous allons l'église. L'on fait ça, on fait pas tout le monde savoir là. Pour le monde savoir, on dit Jésus, vous dimanche, la question, on va dire quoi la laisse. Quoi pour tes paroles, quoi la péché. Donc, quand vous nous cherchons la caille, aujourd'hui, pas tout le monde. C'est la messe dimanche qui rassemble mon peuple fonctionner. C'est la messe là qui rend les photos comme nous dit chrétienne. Prière semaine de mai, on a la neuve. Mais nous partons de la fourche là, nous partons de la silence. Ensuite, les mon cas là, nous venons la prière. Nous disons à midi, c'est la messe là. À midi, il faut aller. Son petit point est pour la messe là. Alors, c'est ce qui vous va faire pour la messe là. Il faut corriger ça dans la ratio. Il faut corriger dans le groupe. Il faut des années au-dessus de l'Eucharistie. Pas des années qui plus fort parce que la messe là. C'est pour nous-mêmes qui nous participons là. Frères et sœurs, encore une fois, bonne fête. Que par cela, l'été au lieu de communion, que par cela, l'été au lieu de partage et de fraternité. La prière, le boulot, la prière pour mon soeur Wisnik, dimanche, c'est pour ça. La prière, pour que c'est le bon reste. Et puis samedi, la prière, dans le pays qui va venir là, par la prière, deux bras, comme on va gauche, le bras droit. On se respecte, c'est le bras droit. On se ressemble, c'est le bras. La prière, nous, et ça capable, samedi, dans cette prière, à l'université. La prière, pour vous faire un fort de l'eau. La prière, pour tout le monde, qui va venir dans ici. La prière pour tout paroisse et continuer que les paroisses s'appellent, continuer que les fers. Oui, les amis, c'est pour ça que vous pouvez jouer. Oui, les amis, qui fait présenter. Vous avez fait quand on fait que vous venez de choix, vous voulez là. Oui, les achats. Chaleur, pour le chaleur spirituel. C'est pour ça que je vous dis, ah, c'est mon fort. C'est l'église à petit. Mais il n'est pas en solide parce que l'évangile l'a annoncé, parce que fraternité la donne, parce que tout le monde prend responsabilité. Et puis la prière, nous parlons de bien à du veillant pour parler ça à lui devant. La prière pour moi, nous, dans mon cœur, parce que je vous dis à fait 12 ans depuis que j'ai été évêque dans l'église là. Amen. Seigneur, en attendant pour nous proclamer la foi de nos enfants.
à travers ce vol missile constantement. Je crois en le seul. Seigneur,
Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Nous reconnaissons entre tes mains, Seigneur, toutes les personnes qui souffrent de maladies quelconques, qu'elles restent à tes pieds, afin de trouver la guérison, et fais aussi qu'elles aient confiance en tes paroles. Car toi seul es juste, fidèle, et soutiens toujours tes promesses. Voici les malades.
terre. Que son œuvre et sa vie porte des fruits par le ministère de ton Église, afin que soit sauvé le monde entier. Par Jésus-Christ, notre Seigneur.
toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que nous levons au champ du soleil, que nos frères de Dieu soient présentés à ton nom. C'est pourquoi nous nous voici rassemblés devant toi, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité notre Père. Par lui que tu as aidé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus, que notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit de la bataille, Jésus,
que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie de Montfort, et tous les saints qui nous servent d'enseigner auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, pour le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et toi, je m'en assieds de saluer la paix. Affermis ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, Babi Pape François. Seigneur, Marc, le roi, le trésor, le grâce de Dieu, nous te présentons, Seigneur, c'est tout à l'ordinateur du chocolat. Monseigneur Smith et Monseigneur Sandeur, les évêques aussi bien nommés, l'ensemble des évêques, les frères de l'Église et tout le peuple de la Chambre. Écoute la volonté et la prière de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, de ta miséricorde, ramène à toi perpétuellement. Des enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Père Nicolas, Gérard, pour les fidèles défunts décédés de la paroisse, pour les pères et frères importants décédés en ce jour, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout le monde. Et quand la réunion est en fait, toi qui serais
que se fortifie Seigneur dans la paroisse de mon corps, qu'ils se maintiennent jusqu'au bout, intégrité de la foi et la sainteté de vie, la charité fraternelle et le vrai comportement religieux, puisque tu ne cesses de la nourrir du corps de ton fils de ta parole, conduis-la et protège-la toujours. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Avec ce lieu, moi je voulais souhaiter tout le monde bonne fête et bon jubilé. Moi je voulais mon Dieu merci pour 25 ans que nous avons célébré jeudi dans un contexte très difficile. Dans un pays difficile, spécialement pour le prince que de la vie. Grâce à Dieu, pour Dieu permettre, je dis à nous célébrer 25 ans de fondation. 25 ans dans la paroisse Saint-Louis-Marie-Vignon de Montfort. 25 ans d'efforts et de sacrifices. 25 ans d'action de grâce et de bénédiction. 25 ans de nos pensées. Jean paroisse a commencé et ça pour un jeudi. Nous sommes des scolastiques. Paroisse a commencé à faire mission chaque temps carré dans les corridors. Et jeudi, mais qui ça que tourner, nous disons mon Dieu merci pour ça. La pandémie, mon Dieu, pour nous permettre que 25 ans ça, qui c'est 25 ans d'action de grâce, jubilé, permettez-moi de lancer dans l'autre 25 ans qu'a fini. 25 ans qui a porté en pile grâce, en pile bénédiction. 25 ans qui a fait nous bien dans l'autre paroisse avec l'autre projet. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Nous voulons dire, Monseigneur Mésidore, qui s'est achevé. Archidiocèse de Port-au-Prince, merci et bonne fête. On attendait qu'on applaudisse. Ça fait 12 ans depuis qu'il était consacré évêque et c'est une chance, privilège à couvrir pour nous. Il vient célébrer 12 ans ça avec nous. Nous disons merci pour votre présence. Spécialement pour proximité. Merci Monseigneur pour ce qui est pour nous dans l'archidiocèse Port-au-Prince, spécialement mon fauteuil. Vous toujours bien accueilli nous et avec vous, vous êtes un frère pour nous.
Merci pour le travail que vous avez réalisé dans l'archidiocèse-là, malgré les situations difficiles. Merci pour le calme, pour la sérénité. Chaque fois que nous rencontrons, malgré les situations compliquées que la vie, vous invitez-nous à aller plus devant. Merci pour le témoignage de fraternité, de solidarité. Merci pour la confiance que vous faites, mon forte dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Merci pour présence et la disponibilité pour 25 ans. C'est pour continuer à mettre là, continuer à accompagner ou protéger ou et bénir le ministère ou comme évêque, archevêque, archidiocèse. Merci, Monseigneur Wismi Jean-Charles, missionnaire Montfortin. Merci pour la présence dans le temps aujourd'hui. Nous cherchons chaque jour habitué avec nous, Monseigneur. Tantôt, nous disons Monseigneur, tantôt, nous disons Père, quelquefois, nous disons Wismi. Prends-tu patience, la privée, et Léo, sortir. Nous comptons que là avec nous. Nous comptons bel témoignage que nous avons. Nous connaissons mission capitaine pas facile. Nous avons toujours avec vous, la prière pour vous et nous avons toujours accompagné dans tout ça va faire dans toute soirée. Merci Père Roland pour une belle célébration ça, pour courage, pour vision, pour soirée, pour missionnaire mon fort. Merci pour mon travail que vous réalisez. Nous connaissons que la situation n'est pas facile. Tant que j'ai Monseigneur de dire, nous sommes peut-être curés de pauvreté. Nous ne pouvons pas faire vos décharges. Nous disons merci pour 25 ans. La pandémie continue à mettre là pour être capable de bénir le travail. La pandémie continue à mettre là pour continuer à accompagner. Merci Père Philippe pour la belle contribution que vous portez avec Père Roland en dedans la paroisse Saint-Marie de Montfort. Bonjour témoignage, fraternité, solidarité pour Abbaï en dedans la paroisse. Merci tout le monde, merci chaque monde, sans pas y entrer dans le détail, parce que Père Roland va bien vous remercier tout le monde. Merci parce que paroisse Saint-Louis-Marie de Montfort, c'est un espace. Côté spiritualité montfortaine, là, on y est. Tant qu'on travaille ensemble, tant qu'on évangélise, tant qu'on dévotion pour la Vierge Marie, tant qu'on disponibilité. Père de Montfort, fondateur, a veillé sous nous. À la prière pour nous et la prière sous décision. Il est campé avec nous pendant 25 ans pour permettre une vision bien claire de 25 ans à venir, dans un bon genre de planification, dans un plan de développement paroissial pour que la prière de 50 ans, et bien la petite mon Dieu, un gros merci pour le bel travail que nous réalisons. Merci tout le monde, merci chaque monde. Bonne fête et bonjour. Monseigneur Max, le roi des idoles, chers confrères, frères et sœurs bien-aimés, joie et bénédiction en ce jour qui nous rassemble pour célébrer notre jubilé d'argent, mais qui nous donne aussi le privilège de représenter toutes les paroisses de notre archidiocèse de Port-au-Prince pour honorer notre verger, en l'occurrence, Monseigneur Max le roi Isidore, en son anniversaire de son épiscopat. Chers paroissiens de Saint-Montfort, permettez-moi de renverser le protocole établi pour parler en tout premier lieu de notre archevêque. Le 9 juin 2012, le pape Benoît XVI nomma Monseigneur Max le roi des idoles, évêque de Fort-Liberté.
Il recevait l'ordination épiscopale le 28 juillet 2012 par Mgr Bernardito Arruza, nonce apostolique en Haïti. À peine un an plus tard, le pape François le nomma archevêque ou adjuteur de Cap-Haïtien auprès de Mgr Vicebo, alors âgé de près de 75 ans. Il lui succéda un an plus tard, le 22 novembre 2014. Et le 7 octobre 2017, le pape François le nomma archevêque de Port-au-Prince en remplacement de Mgr Guy Boulard, qui avait remis sa démission au Saint-Père pour pouvoir partir à la retraite. Ainsi donc, aujourd'hui, rappelle les 12 ans d'anniversaire de son épiscopat. Mgr le roi, Mgr Rawa, un grand merci pour le témoignage de votre vie, pour votre sollicitude qui vous a rendu attentif aux besoins primordiaux de toutes les personnes et de les accompagner dans leur quête de Dieu. Nous touchons du doigt l'humilité qui vous habite, Mgr Rawa, pour faire confiance en la grâce de Dieu qui vous porte et projet divin qui vous dépasse et vous embrasse. Personne n'est maître de ce projet, vous n'êtes qu'un instrument à son plein déploiement. C'est ainsi que Saint François Xavier exhortait les croyants à mettre leurs facultés au service de Christ, en devenant chacun, en ce qui le concerne, ses bras, ses yeux, ses jambes. Comment ne saurions-nous pas apprécier la beauté du peuple de Dieu à travers le prisme de l'harmonie que rayonne ses membres? Telle est la mission qui vous incombe. Mgr Max de Val-Isidore, la paroisse Saint-Montfort, au nom des autres paroisses de l'archidiocèse et la province montfortaine en Haïti, veut vous offrir ses souvenirs pour témoigner notre affection et vous féliciter en ce grand jour. La chorale va entonner un beau chant à la circonstance. Thank you.
exprimer notre communion et toute notre gratitude à mon frère de promotion présent à cette célébration. Je veux parler de Monseigneur Wisni Jean-Charles, d'avoir répondu à la sollicitude d'Haïti et plus particulièrement de la diocèse de Port-au-Prince. Merci Monseigneur Wisni pour votre disponibilité à mieux servir l'Église universelle et spécialement notre Église locale. Je vais demander à la permission à Monseigneur de voir. Qu'il soit béni le nom du Seigneur dès maintenant et pour toujours. Nous en sommes satisfaits de l'effort déployé, de la réponse de tous nos paroissiens. Le moment est venu de remercier tous et chacun. J'étends ces remerciements à l'ensemble des prêtres présents, spécialement Père Jean-Jacques Saint-Guy, provincial de Montfortin, Père Laurent, Émilien, Pierre, curé de ma paroisse jumelle, Saint-Guy, Roi-de-France, ma fille aînée, qui est à un pas de son jubilé d'argent. Je reprends à tous les prêtres qui, par leur présence, témoignent leur sens de la fraternité. À nos frères de la grande famille Montfortin, les scolastiques, nos infatigables stagiaires. Un grand merci à notre cérémonière, le grand-père Jean, la douceur, à Jean Krasinski. Merci aux actes liturgiques, merci à la grande chorale paroissiale qui nous a gratifié d'une belle animation de célébration. Merci aux musiciens, merci aux différents groupes et chorales de la paroisse. La pastorale de la prison des mineurs à l'Erroi 33, la pastorale des enfants, la pastorale des malades. Merci aux différents médias qui ont fait le déplacement pour pouvoir couvrir ce événement et qui ont permis à des milliers d'internautes de le suivre en direct. Enfin, merci à vous tous et toutes, sœurs et frères bien-aimés, d'être venus entourer la paroisse Saint-Montfort et notre archevêque de votre affection. Nous ne pouvons oublier l'architecte de la paroisse, Père Jean-Gérard Nicolas, qui a passé les 22 premières années comme fondateur de cette paroisse. Je vous demande une minute de recueillement à cette intention.
Et nous, pour servir,
quartier de Sidéa, de Moali, du Mondo, à Jouette, à Mélodie, au prophète. C'était tout seul, non? C'était pour nous, et puis pour nous, et nous, pour nous, et la paix, pour nous, en Haïti, et le pauvre. Merci, prophète. Recevoir à télé-sensible.